Au 207 rue du Rouet à Marseille, l'archange Milik se dévoile depuis quelques jours dans une peinture de l'artiste Franck Comte. L'Olympien est représenté comme une icône religieuse. L'œuvre s'inspire de vitraux de la basilique du Sacré-Cœur de l'avenue du Prado. Les vitraux, je les trouvais super beaux et je cherchais quelque chose avec pour représenter Milik. J'avais déjà pensé à l'archange Michael, en fait, à l'ange guerrier. Il y a un côté à la fois l'attaquant et en même temps quelque chose de très noble chez lui. Franck Comte a débuté ses réalisations sur l'OM avec le milieu de terrain Luis Gustavo. L'accueil chaleureux l'a incité à recommencer, une délectation pour ce fan de football depuis l'enfance. Moi je suis un enfant des années 90, donc voilà, à l'époque j'avais flashé sur Chris Waddle, sur Papin, tout ça, donc c'était la grande équipe marseillaise, et à partir de là j'ai commencé à être supporter de Marseille. Et puis en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser au football et à me passionner pour le club. Tout ce qui se passe autour de l'Olympique de Marseille, c'est plus... Moi qui suis supporter, je m'adresse aux autres supporters et ensuite, effectivement, ça devient une porte d'entrée pour ma peinture. L'artiste réfléchit déjà à une nouvelle fresque. Guendouzi ou Under sont sur les rangs pour être les prochains footballeurs croqués sur les murs marseillais.